Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, une vidéo sur le nouveau modèle de Volkswagen Crafter. Merci à toute la petite équipe qui m'a permis de organiser cette vidéo. Bonne vidéo à vous. Tu remarques qu'elle est silencieuse. C'est vrai. Donc il y a un contour. Oui. Pour économiser dans les tours. Et alors il y a également le compteur. Il y a vraiment un bel ordinateur de bord. Là. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Il y a tout ce qu'il faut, oui. Et je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a comme moteur, mais ça on regardera après. Voilà. Pas besoin de venir fort. Pour que le moteur chauffe, pour qu'on ait un petit peu de chauffage. Non, mais comme ça, je sens qu'elle a de la reprise. Hein. À mon avis, c'est le moteur le plus puissant. À mon avis, oui, parce que à la moindre reprise, hop, on sent qu'il y a, ça réagit bien. Qu'est-ce que tu fais? Alors là, je viens de mettre le chauffage. Au pied, c'est ça que j'ai réglé, c'est mis en automatique. Bon, voilà. Et les radars de recul fonctionnent bien. Ils sont maintenant que le moteur est chaud. Et qu'on peut un peu accélérer plus. Non, c'est très chouette. Aussi les accoudoirs. Hein. Comme dans ton motorhome. Il y a pire comme bruit de moteur. Hein. Oui, oui, tout à fait. Non, c'est. On est bien. Quand on parle, on se comprend facilement. Alors. Bonjour, j'ai deux sapins. Le monsieur va m'aider à enlever la croix. Parce que le fait qu'il faut enlever la croix. Oui. Verrouillage central. Sinon elle roule bien. Oui, écoute, elle est vraiment très très agréable à conduire. Mais tu entends bien que il n'y a pas de souci point de vue bruit. Hein. Plus trop près, c'est tu as les détecteurs comme pour la caméra arrière, ça fait des bips et hop, ça. Voilà. Voilà, tu vois, là, je viens d'allumer. Non. Hein? Voilà, il met veuillez patienter. Tu vois, il met ici qu'on est sur la nationale 25. Oui. On va lui faire un petit tour par là. Voilà, tu vois, ici, on est en côte. Hop, j'accélère un petit peu. Et là, on est parti. Yeah.
étape combien de vitesse? 6 vitesses plus la marche arrière. Hein. Mais voilà, on vient de rouler là sur la nationale 25, tout à fait à l'aise, à du 90-100, c'est vraiment très plus bruyant. C'est un vrai plaisir à conduire, Martin. Voilà. Et au niveau de la direction, est-ce qu'elle est dure? Elle est souple, très souple. Évidemment, il faut dire que là, actuellement, on n'est pas chargé. Là, tu es censé avoir véhicule. Voilà. Et là, tu vois combien tu consommes et tout ça. Vous voyez la qualité de la radio, ouais. C'est le plus fort, hein. Voilà, on a une autonomie de 650 km, donc on ne va pas aller faire le plein. Voilà, tu vois, on consomme ici, elle consomme du 12 litres 2 au 100 km. Elle est adaptée, cette camionnette. D'accord. Et bien voilà, on est parti pour faire le tour de l'extérieur. Coucou Martin. Voilà. Alors ici, là, vous avez le réservoir avec le bouton pour la débloque. On prend un petit peu de recul. Participation de Cap 48. Hein. Voilà. Martin, fais coucou. Voilà. Hein? Alors, ici, voilà. Vous voyez le bel espace à l'intérieur. Bon, on est allé vider le sable. Vous voyez les sièges là. Et ici, ce sont des emplacements pour pouvoir mettre les chaises roulantes. Les fauteuils roulants, pardon. Alors, ici, à l'arrière. Voilà. Ok. Voilà. Alors, on branche le bouton. Hein, à quoi rien ne va. Ok. Et on y va. Voilà. Avec la manette. Voilà. Là, vous voyez encore le restant de sapin. C'est un orteil. Voilà, il faut que c'est bien en bas. Hop, là-dessus, on monte. Et on est reparti pour monter. Ok, on remonte. Hop, voilà. Et qui se replie automatiquement. Hop. Et voilà. Fini.